Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring, où on était en train d'attaquer un nouveau monde, les cimes des géants. Et il y a des lions. Donc, on va être courageux et on va les éviter. Évidemment. Vous vous souvenez que le jeu avait lagué contre un boss, mais que même comme ça, il n'avait pas gagné. Et oui, même en trichant, nous sommes toujours meilleurs que lui. Donc certainement qu'il va essayer de nous la mettre encore plus à l'envers. Voilà. Allez. Commençons ce château de Solcastel. Hein. Il avance hein, sans regarder, évidemment. J'ai monté mon niveau? Non. J'ai pas monté mon niveau. Tapis. Alors. Qui es-tu, toi? On jette des trucs de feu. J'aime pas ça. Il va rouler. Voilà, merci quand même. Il me tire dessus là. Comment voulez-vous passer quoi? Ok. Il est où? Il est où? Je sais pas où il est. Il a disparu. Le boss est là. Ok. On voit le boss. Par un tableau. Des le. On n'aime pas les le. Oui. Des lugnos. Des lugnos. Non, pas ça. Pas un piou-piou. Pas un piou-piou. Vous savez, j'aime pas les pipiou. Serre de faucon. Ah oui, ça j'en avais déjà. Un lugno. Complètement squeeze tout ça en allant voir, en tuant les lions tout de suite, d'accord. Je squeeze les balistes quoi. J'ai mal à l'œil gauche. Ça ne va pas le faire. J'ai besoin de mon œil gauche, moi. Non ! Ah ! Je vais demander une roulade. Qui me tire dessus ? Oh là-bas ! Je sais, c'est une grosse connerie ce que je suis en train de faire. C'est une énorme connerie. Yes. M'en fous. J'ai vu que je l'ai activé, je m'en fous. Yes. C'était une très très grosse connerie. Hein. Ne faites pas ça chez vous.
Ok. Montée de niveau. Ouais, on va monter un peu l'esprit jusqu'à 20 quand même pour avoir un peu plus de magie. Salut. Ah, c'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein, quand je veux me battre. Ouais. Dégage. Ouais, je sais que je suis un petit peu plus violent quand je me bats. C'est facile d'attaquer quelqu'un en train de fuir, hein, mais attaquer quelqu'un qui veut se battre, c'est pas la même, hein, petit con. Ok. Ah non, pas le pupio. Pas le pupio. Je veux pas le pupio. Ils sont là, non? Bonjour! Yann, j'ai tué ton pote. J'ai tué ton pote, j'ai tué ton pote. Ouais, bien. Bien ta vie. Allez. On aime ça, hein, les ennemis invisibles. Évidemment. Ok. We can continue à avancer par ici. Alors là, je pourrais descendre là. Mais est-ce que ça m'intéresse d'aller là? Il y a un objet, donc ça m'intéresse. Les lugnos! What can we find here? Un ascensionneur. Donc un retour, parce que là ça va pas fonctionner. Hein. Peut-être quand on aura tué le boss, on reviendra ici. Ici on arrive où? Quelque chose que j'ai déjà fait, donc ça m'intéresse pas. D'accord, on retourne au début. D'accord, j'ai juste oublié d'aller chercher cet objet là. Ok. En avant. On peut ouvrir ça. Là, on avait vu qu'il y avait un mec. Bonjour, Jackie. Au soleil transcendant, glacial astre de sol. Le soleil, c'est chaud. Capitule face à l'éclipse. Donne-nous vie au corps sans âme. D'accord. Mais tu sais que le soleil, c'est chaud. L'hôtel de l'éclipse. Alors peut-être que ça va nous servir à un moment. Un peu comme la lance pour tuer le serpent. Aïe. Qui me tire dessus? Lui. Et lui. D'accord. Et là, il y a un objet violet. Loupé. C'est nul. Loupé. Vous êtes nul. Oui, bah là, je suis au corps à corps, hein, ça va pas non plus être... hein. Bon. Question. Si je vais là... Est-ce que je peux revenir derrière? Oui, je pourrais revenir apparemment. Allons casser la gueule à ce con. Je peux le cibler? Merci. Merci. Ah mais il n'y avait pas d'objet là? Je croyais qu'il y a un objet.
tout à l'heure. Voilà. Arc runique, très bien. Objet qu'on n'a jamais utilisé, hein. Je te rappelle. J'entends des bruits de rats. Regardez. J'ai pas fait qu'entendre, je les vois. Je vois des rats. Cassez-vous. Quoi, les rats, ça peut looter des arcs runiques? T'es sérieux? Alors c'était ce rat là précisément. En tout cas je récupère pas mal de pierres de forge. Il faudra peut-être faire un tour chez le forgeron un moment. Où suis-je? Dans quelle étagère? Un endroit où je peux sauter là. Ah d'accord. Ok, bah c'est là que je voulais aller. Très bien. Et si je vais là, je vais où? Je retombe ici. D'accord. Il m'a vu, il m'a vu. Non mais oh. Ok. D'accord. Ouais. La danseuse étoile, elle va se calmer, hein. Roulade, merci. T'enroules. Mais elle m'énerve la danseuse étoile là. Pourquoi je peux pas bouger? Pleine roulade, je peux pas me toucher. Ah, il se soigne aussi, d'accord. Ça va, t'es pas pété, toi. Mais ça, c'est dégueulasse. Mais je suis où? Je vois rien. Il est horrible. Danseuse étoile, quoi. Mais ça, c'est une zone bonus, lui. J'ai pas compris. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était dur. Il dansait partout, là, il sautait, je comprenais rien à ses mouvements. Nous, on peut pas faire tout ça, hein. Nous, on est une pierre par rapport à ça. Alors, là, c'est là qu'il y avait les archers. Là, c'est là qu'il y avait les rats. Ok, donc ça, c'est été fait. Et là, je retourne sur mes pas. Je retourne vers l'église. Nous sommes d'accord. Il y avait une porte où j'ai pas été. Oui, c'est vrai. Retournons nous soigner, parce que nous avons pris cher. Qu'est-ce qu'il est fort, hein? Danseuse étoile, là. D'accord. Je sais pas ce qui se passe, mais ok. Ok.
C'est bon? C'est bien les attaques qui font des grands arcs et qui tuent plein de gens en même temps. Qu'est-ce qui me fait mal là? Non, pas lui. Pas encore lui. Pas encore lui. On se casse. Moi je m'en vais. Ah! Oui! Je m'en fous. T'as l'air d'un con, t'as l'air d'un con. Voilà, et là c'est d'accord. Quoi? Tu m'as suivi jusque là? Il était moins fort que l'autre là, lui, non? Je peux pas me téléporter. Bon. J'ai trouvé le boss. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas très loin, en fait. Vraiment pas loin de cette save-là. Il y a juste lui qui risque d'être un peu chiant. Mais en vrai, si on fait ça... Si je cours là, que je saute là, je prends des dégâts de chute? Non. D'accord. Ça va. Quoi? Elle va te faire foutre. Le jeu va te faire foutre, sérieusement. Le mec se TP sur toi, quoi. Bon fou. Vas-y, tue-moi, t'es content. Le jeu, il est content. Hein? Bah oui, hein, le monsieur, il s'est téléporté sur le joueur. Hein? Ah bah oui. Hein? Le mec se téléporte dans l'ascenseur. Quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Roulade trois fois. Toi aussi dégage. Tout va bien. On va aller faire le boss, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas un médaillon. Alors j'ai un médaillon qui rend de la vie, ça je le sais. J'ai pas le même avec les PC. Pas l'impression. Hein. Dommage. Alors, j'ai vu que là il y avait un truc forcément parce que je suis tombé là. Il y a un lancier de merde. Ah. D'accord. Elle est bien ta vie. Elle est bien ta vie. Un Lugno. Ouf. Non 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 non. Ouf. Tranquille. Ah, d'accord, on est là.
Attendez, je reviens les Lugnos. Ils sont gros hein. Ils ont beaucoup de PV les loups hein. Tellement anecdotique les trucs des PV. Ouais, c'est vraiment anecdotique maintenant. Deux PV. Il est mort. Et tout ça pour rien. D'accord. Il y a plein de moments dans le jeu où tu fais des trucs pour rien. C'est un petit peu abusé. Je pourrais monter là en fait. Ah bah non. Ah quoi que. On va casser les vitraux. Pierre de forge 5. Et là... Ce que je voudrais tester avec le chevalier là. Et si je fais ça. D'accord que là il me voit pas. Lui il me voit pas non plus. Si je vais là. Que je cours là. Là je peux pas sauter là. Mais je peux sauter là. Sur l'escalier je prends pas de dégâts. Nickel. Ok. On va aller tester ce boss. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Alors après j'ai 50 000 âmes sur moi, est-ce que ça vaudrait pas le coup en fait de retourner, de gagner des niveaux? Je dis que non. Je prends le pari. Encore lui. Oula, 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 il y a une danseuse étoile avec lui. J'aurais bien voulu rouler en fait. Mais la danseuse étoile, je peux tellement rien faire. La danseuse étoile, elle est tellement forte, tellement, tellement forte. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, quoi ? Y a rien à faire. Y a tellement rien à faire contre la danseuse étoile. Et donc dans celui-là, il n'y a pas de, d'objet pour retourner au feu, enfin au dernier remplacement de grâce gratuitement. Ça consomme les runes, mais c'est pas ça qu'on veut. Y a pas moyen de faire ça dans celui-là? C'est assez drôle. Révèle les marques d'invocation, crée une marque d'invocation, consigne, coopérative, crée une marque d'invocation, consigne, essaie d'envahir le monde. Ah non, en fait, il n'y a pas moyen de se téléporter dans celui-là. C'est drôle ça.
Il n'y a pas dose du retour ou de trucs comme ça. C'est marrant ça. Ouais, mais là en plus avec la danseuse étoile, quoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle est trop forte la danseuse étoile. Je comprends pas ses patterns alors. Mec, il arrive, il charge. Tout va bien. Ok. Pourquoi tout le monde sur moi? D'accord, il fait des éclairs aussi. D'accord. Je l'enroule là. J'avais demandé en tout cas. C'est quoi ce coup de pied de 8 km là? Il a des coups de pied de 8 km, c'est pas normal ça. Des dégâts qu'il fait. En pleine roulade et tu prends quand même les dégâts. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Merde, j'ai plus de fiole, j'ai plus rien. Abusé. Tellement abusé. Il est tellement abusé le boss quoi. Tu peux rien faire. Tu peux rien lui faire. Le mec il te fait des coups de pied et son coup de pied fait la moitié de l'arène. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux juste rien faire en fait. D'accord. Et comme tu peux pas... partir, enfin, je voudrais bien aller récupérer mes runes et me téléporter, mais j'ai pas le droit parce que le jeu me l'interdit. On est d'accord qu'il y a rien là-dedans. Dans les pots peut-être. Une grenade. Non, tout ça c'est des grenades. Pardon. Un état de ferveur, c'est quoi l'état de ferveur, on sait? C'est des graisses. On est d'accord que les raies là, c'est pas pour se téléporter, hein. C'est juste un objet à la con.
que tu disposes et puis ça te fait un trait. Pour te dire où tu dois aller, hein. Oui, voilà. C'est de la merde. Oui, mais là, je me repose au vrai 6 degrés. Je me repose pas à ce truc de reine merde. On est d'accord que si j'en mets un là, je peux pas m'y reposer. Oui, non, c'est pour créer des... C'est de la merde, ok. Parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir me téléporter. Oh ! Le mec avec une roulade, il casse un chandelier, il peut pas le pousser, quoi. Comment je peux battre ce boss de merde ? Niveau dégâts, ça va, hein. On est là. Hein. Mais... Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, toi j'ai un pouvoir pour toi. J'ai décidé de quitter le round. Je suis en search d'un noble scholar known as the Gold Mask. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn. D'accord. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. Voilà, t'es devenu un gros apostat. Mais même là-dedans, en fait, il n'y a pas de... De téléportation, il n'y a pas retour. D'accord. Roger. Roger. Roger va mourir. Greetings, are you here for... Well, I took you for no matter it's out your arms, eh? Renforcer des armes. Ça je peux. Ça je peux pas. Ça je peux. Ça, je peux pas. D'accord. Pierre de forge 7. Hein ? Plus 20. D'accord. Plus 19, non, il est plus 20 et ça plus 16. Tout va bien. Tout va bien. Donc au niveau des dégâts, on en est où? 349, 361. Tout va bien. Il fait de la glace et des éclairs. On était à 361. Si je mets ça. Un peu moins là. 346, ouais. Non. Non. Et ça, si je lui mets des trucs de saignement.
Il y a énormément de trucs. Poison et saignement. En dégâts, hein. Je perds en dégâts, ça ne m'intéresse pas. Cendre de guerre. Après. Les foot et du poison et du saignement. Je ne sais pas. Le mec au masque d'or, il était là. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sachant que là, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste chargé comme un âne. Quoique, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose hein, à faire. Ah si, par là, il y avait des choses à faire. Retournons là. Retournons ici. Oh non, pas des squelettes. J'ai pas envie. Ces esquives de flèches. Ça pue le dragon, ça. Ça pue le boss, ça. Hein. D'accord. Oui. Ça pue le boss. Mais il y a un site de grâce. Donc. Ah, mais c'était là où il y avait le géant. Ok, donc là il y a un boss, certainement un dragon. Hein. Alors il est où? Monsieur, il a peur? Je sais pas si c'est un dragon. Si c'est un dragon. Dragon des glaces.
Allez. Mal, hein. Ah, ok. Casse-toi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oui. Combien d'âmes? 100 000 âmes. Putain. Et voilà. Un dagon de plus. Un dagon de plus. Da-da-da-da-da-da. Et là, il y a un autre boss majeur. D'accord. Moi, je dis que ça me paraît être bien pour la fin, ça. Voilà, parce qu'on a tué le dagon. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.